soir, pour cette toute dernière conférence de la saison qui vous est proposée dans le cadre du cycle Tiens dans le budget pour comprendre. Un rendez-vous que nous avons pu suivre toute cette année, le quatrième jeudi du mois, qui vous est proposé en partenariat avec la scène de la série émission autour de la question sur RFI. Le thème qui nous réunit ce soir, fort nombreux, s'intitule Mémoire, comment se fabriquent les souvenirs. Je vais vous demander de démarrer tout de suite en applaudissant très fort nos deux invités. C'est parti! Alors, Francis Hustache, vous êtes directeur de l'unité neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine. C'est une unité qui dépend de l'INSERM, de l'EPHE, de l'Université de Caen. Du coup, je vous préviens tout de suite, donc M. Stache nous quittera à 20h précises pour pouvoir attraper le dernier train pour rejoindre la campagne normande. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, s'il disparaît à 20h, c'est normal, c'est prévu, c'est au programme. Je profite également pour signaler que vous allez diriger un ouvrage qui s'intitule « Mémoire et oubli », qui est par les éditions Pommier, c'était l'année dernière, en 2014. Qui permettra une super transition de notre deuxième invité. Donc, Denis Péchanty, vous avez participé à cet ouvrage. Et surtout, je vais vous demander voilà, d'applaudir énormément notre deuxième invité. Allez-y, on fait une réponse. Vous avez tous vu le programme. C'était donc Marie-Claire Lara qui devait intervenir. Malheureusement, elle a une indisponibilité totale. Elle ne peut pas être là ce soir. Et pour tout vous dire, Denis Péchanty, vous l'avez contacté. Voilà, parce que vous êtes partant, il a lui, il est là, merci beaucoup. Pour la fin, vous parlerez en deuxième partie. Et j'ai oublié de vous présenter, c'est capital. Vous êtes le directeur de recherche au CNRS, au Centre d'histoire sociale du XXe siècle, qui dépend de l'Université Paris, en tant que professeur et du CNRS. Et vous êtes également responsable de l'équipement d'excellence Matrice, qui est une plateforme technologique transdisciplinaire qui vise à mieux comprendre les interactions entre mémoire individuelle et mémoire collective. Donc, on va commencer tout de suite à rentrer dans le sujet, mais la parole est tout d'abord à Francis Eustache. C'est à vous, excellente soirée à tous, merci. Merci beaucoup pour cette invitation, cette présentation, et merci à toutes et à tous pour cet accueil chaleureux. Donc, le titre là, a été proposé, c'est un titre magnifique, c'est un titre qu'on pourrait, un sujet qu'on pourrait traiter de multiples façons, par la neurobiologie, par la psychologie. Moi, je vais réduire un petit peu le champ en le traitant avec deux disciplines que je connais bien, la neuropsychologie, je vais en parler, et puis l'imagerie cérébrale qui l'accompagne aujourd'hui. Donc, moi, je travaille à Caen dans un centre de recherche qui s'appelle Cicero. Nous sommes pris ces photos à la fois de machines et puis d'images du cerveau. Denis donc enchaînera et parlera aussi de ce sujet, évidemment de ce thème qui nous est proposé, mais par le prisme de l'historien. Et puis ensuite, on discutera ensemble. Et ce sera, je pense, la partie la plus intéressante. Alors, la neuropsychologie, c'est l'étude des patients qui ont des lésions cérébrales, des maladies cérébrales. Et comment l'examen de ces patients nous renseigne sur le fonctionnement de la cognition, je dirais maintenant, et notamment de la mémoire, parce que c'est le sujet-là. J'ai mis trois auteurs, un auteur français, Théodule Rigaud, qui a défendu cette idée que quand on étudie les maladies, eh bien, ça nous donne beaucoup d'enseignements sur la structure et le fonctionnement d'une fonction mentale comme la mémoire. Ici, c'est un petit livre qu'il avait écrit. Les maladies de la mémoire. Et en plus, il est bien dans le sujet, parce qu'il a travaillé beaucoup, donc avec les moyens de son époque, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, sur la transformation des souvenirs au fil du temps. Et c'est lui qui a écrit le nouveau s'efface toujours avant l'ancien. Vous voyez, ce qui est curieux, parce que l'ancien a été nouveau avant de devenir ancien, donc ça veut bien dire que le nouveau a changé de statut en devenant ancien. Et en fait, c'est un petit peu le cœur du sujet, hein, de la formation du souvenir et leur transformation au fil du temps. Deuxième auteur qui est très connu dans notre discipline,
décrit un syndrome qui va porter son nom, le syndrome de Rorschach, avec des patients qui perdent quasi complètement la mémoire. Et il montre que ces patients, eh bien, ils conservent tout de même les souvenirs du passé très lointain, et puis ils conservent des facultés amnésiques, hein, même s'ils sont amnésiques. C'est un petit peu un des cœurs du sujet, c'est de montrer qu'il y a en fait différentes sortes de mémoire. C'est un petit peu le début de mon exposé. Et puis cet auteur ici, il a une barbe magnifique, je lui envie, Belcheret, c'est un des premiers à avoir supposé qu'une région du cerveau joue un rôle important dans la mémoire. Donc, et notamment cette région, on va en reparler, c'est l'hippocampe. C'est un neurologue russe qui a fait la première hypothèse du rôle de l'hippocampe dans la mémoire. Je pourrais vous présenter comme ça beaucoup d'auteurs russes, mais je vais passer à une période. Donc là, on est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et puis là, on fait un saut dans l'histoire vraiment récente. On est dans les années 1950. Et c'est un duo que je vous présente. HM est un patient. Elle a été connue longtemps par ses initiales. Et Brenda Miner, qui est une neuropsychologue canadienne, donc c'est une histoire qui se passe notamment à Montréal, l'Institut neurologique de Montréal, l'Université McGill. Et donc Brenda Miner et d'autres chercheurs avec elle qui vont étudier ce patient, HM, pendant toute sa vie. Donc HM, il a une vingtaine d'années, il est opéré. Des années 50, une épilepsie pharmacorésistante, et le chirurgien qui l'opère, Dr. Scoville, fait en fait une SRS des hippocampes, de façon bilatérale. Il y a deux hippocampes dans le cerveau, un droit, un gauche, ça se trouve à la face interne des lobes temporaux, ça fait à peu près 8-9 cm de long. Et donc les crises d'épilepsie ont leur source dans ces régions du cerveau, et donc le chirurgien décide de l'opérer. Et de faire une double hippocampectomie. La suite de cela, c'est une amélioration sensible de l'épilepsie. Une amélioration sensible de l'épilepsie. Des capacités intellectuelles qui, globalement, sont préservées, sont inchangées, la personnalité également. Mais HM devient amnésique. Il devient très, très sévèrement amnésique, durablement, définitivement amnésique. Et ce que vous montrez, les neuropsychologues, c'est que malgré ce syndrome amnésique, porte à la fois sur la formation de nouveaux souvenirs et sur l'accès à ces souvenirs du passé, malgré cela, il conserve des capacités de mémoire qui sont préservées. C'est-à-dire qu'il est capable de certains apprentissages, qu'on va appeler des apprentissages procéduraux, des automatismes, des choses comme ça, mais relativement complexes. Et ça, c'est un élément qui va être très important. Vous voyez, c'est la face moderne de ce qui avait été décrit au 19e siècle de façon beaucoup plus clinique. Et sans moyens expérimentaux. Alors, à partir de lui, ils vont lui proposer un certain nombre de conseils. Mémoire de travail, c'est une forme de mémoire à court terme, mémoire procédurale, c'est dans les habitudes. Et des chercheurs vont comme ça montrer avec la chaîne et avec d'autres patients qu'il y a une mémoire, puis en fait, il y a une mémoire, un ensemble de mémoires et en fait différentes mémoires. Alors, juste cette diapo pour vous montrer que HM, ce n'est pas une anecdote dans l'histoire des sciences. Le premier grand article sur HM, dans le journal de neurologie, neurosurgery et psychiatrie, c'est Scoville et Miner, 1957, c'est un des articles les plus cités de toute l'histoire de la médecine. Vous savez, maintenant, on peut compter les citations des articles. Donc, ce n'est pas du tout anecdotique. Et ce que la ligne du temps que je vous montre là, c'est toutes les grandes découvertes qui sont faites avec les patients HM. C'est pour vous montrer aussi un peu la singularité de cette discipline qui est la neuropsychologie, où on va former des connaissances à partir d'une relation en fait, entre un chercheur neuropsychologue et un patient. Je ne vais pas insister sur ce sujet, mais l'histoire continue. HM est décédé en 2008. On a connu à ce moment-là son identité, Henri Bolaison. Il a donné son corps à la science. Et son cerveau fait l'objet de travaux. Il y a tout un programme de recherche. Vous pouvez trouver ça très facilement sur Internet. Et au début de cette année, il y a un article dans Science qui a été publié sur l'examen de son cerveau. Donc, il y a bien sûr un examen extrêmement précis maintenant, parce que c'est un examen de histologie. Alors, à partir, vous voyez, d'HM, et c'est bien sûr pas le seul patient, à partir des travaux des neuropsychologues, on a proposé une certaine représentation de la mémoire à partir de ces mémoires qui peuvent être atteintes ou au contraire préservées dans les syndromes amnésiques.
Donc, le petit schéma que je montre là, il émane d'un chercheur qui s'appelle Annette Ville. Donc, la mémoire procédurale, la mémoire des habitudes que l'on forme au fil du temps, des mémoires perceptives, le fait d'être en contact avec un objet, quel qu'il soit, améliore l'identification ultérieure de cet objet. Par exemple, là, vous avez identifié cet assemblage de tirés parce que vous avez fait l'image auparavant, vous ne pourriez pas le faire autrement. Donc, vous pouvez transposer à des situations beaucoup plus complexes, à des visages, la rue quand vous rentrez chez vous, un paysage, etc. Finalement, on arrive à une chose plus complexe, plus subtile. La mémoire sémantique, c'est la mémoire des connaissances sur le monde. On va d'abord dire ça dans un premier temps. Vous voyez, Rome, c'est la capitale de l'Italie, Paris, la Tour Eiffel. Des choses générales qui ne font pas référence à des souvenirs. Bon, la mémoire de travail, on en a un tout petit peu parlé, c'est une mémoire plus à court terme, qui permet de maintenir des informations pendant un petit moment, un court laps de temps. Et puis, on arrive vraiment au sujet fabrication des souvenirs, en quelque sorte, la mémoire épisodique, c'est le terme qu'il faut retenir. La mémoire épisodique, c'est la mémoire des souvenirs. Alors, la mémoire des souvenirs, c'est la mémoire d'un fait, quelque chose qui s'est passé à un événement, situé dans son contexte, spatial, temporel et au-delà, son contexte, tout son contexte. Et avec l'impression de revivre l'événement. Par exemple, qu'est-ce que vous faisiez, pour chacun, samedi soir, dernier, vers 8h30, qu'est-ce que vous faisiez? Et vous allez trouver. Et quand vous allez trouver, vous allez avoir l'impression de vous retrouver effectivement dans l'événement avec l'ambiance des gens qui étaient là pour parler. Et par contre, vous savez que c'est passé. Vous savez que c'est passé, mais vous avez quand même l'impression d'être. C'est ce voyage, la mémoire épisodique, c'est ce voyage dans le passé qui apprend, on parlera un petit peu du futur, puis on en parlera avec le début des chansons. Donc, ça, c'est une certaine représentation de la mémoire. Qui va être conforté par encore d'autres études de neuropsychologie. Voilà, c'est un duo très très célèbre entre un patient qu'on voit en bas et en train de jouer aux échecs. Donc, cette photo, elle veut démontrer que ce patient a des capacités intellectuelles tout à fait normales. Et c'est un patient qui a son histoire, c'est une histoire traumatique, accident de la voie publique quand il avait une trentaine d'années. Et c'est aussi un patient qui est décédé il y a maintenant 2 ans. On a connu son identité à ce moment-là. Il s'appelait Ken Pocrates. C'est un Canadien de la région de Toronto. Et je ne vais pas tout détailler, tout ce qui a été fait, notamment par l'équipe de Annette Ville avec lui. Mais ce qui est très important pour notre propos, c'est que Tolvi a montré que ce patient, très amnésique, très très amnésique, avait oublié quasiment tout son passé, ses souvenirs du passé. Et qui n'était pas capable de former des nouveaux souvenirs. Bien, ce patient, malgré cela, était capable de former des connaissances nouvelles. C'est-à-dire qu'il pouvait dialoguer avec les personnes qui parlaient avec lui, il pouvait parler d'Internet, il pouvait parler du sida, il pouvait parler de concepts nouveaux qui n'existaient pas pourtant avant son accident. Donc ça veut dire qu'il avait été capable de former ces connaissances nouvelles. En étant en contact avec l'environnement, alors qu'il ne formait aucun souvenir. Oui, c'est un peu troublant. Alors, concept de mémoire épisodique, je viens de décrire rapidement, mémoire des événements inscrits dans un contexte, c'est bien sûr autobiographique, la notion de voyage mental dans le temps, la mémoire c'est un voyage, c'est une machine à remonter le temps, à voyager dans le temps et à se projeter en même temps dans le futur. C'est une sorte de spirale. Passé, futur, ou futur, passé. La notion de conscience autonoïtique, ça c'est un dérivé de la phénoménologie du cerveau. Ça veut dire qu'on prend conscience de soi-même. Conscience autonoïtique, c'est qu'on prend conscience de soi. On prend conscience de sa contiguïté dans le monde. Donc c'est une mémoire qui permet de revivre nos expériences, c'est ce que je viens de dire tout de suite. Puis il y a un certain nombre de caractéristiques qui se développent tardivement sur le plan ontogénétique. Qu'elle est fragile. C'est un concept récent sur le plan phylogénétique pour des auteurs comme Tolvi, mais ce serait même spécifique à l'homme, ce qui est discuté. Ça dépend notamment de la définition. Elle entretient une relation étroite avec la mémoire sémantique et s'appuie en fait sur le sens. C'est-à-dire qu'on va former des souvenirs s'ils ont du sens.
Ça, c'est très important. Et vous verrez que pour la mémoire collective, je ne vais pas déflorer l'exposé de Nicolas Chansky, c'est quand même intéressant de faire les ponts entre la mémoire individuelle et la mémoire collective, c'est même indispensable. Et puis, il y a le cerveau, donc on parlera un petit peu, bien sûr, elle dépend d'un réseau cérébral très distribué. Ça, c'est une représentation de la mémoire proposée, un petit peu différente de celle de Tony, et qu'on a proposé avec des collègues, et Béatrice Desbranches, et qui, je vous demande de vous concentrer surtout sur cette partie-là, la partie ascendante de la formation des souvenirs, depuis la perception, la vision d'un événement, de vivre un événement, lui donner du sens, en faire un souvenir, en fabriquer un souvenir éventuellement. Tous les mots que je dis là sont du sens, hein, le éventuellement du sens, et vous pouvez rester éventuellement sur ce stade-là. Et quand vous allez fabriquer un souvenir, ce souvenir, il va être à son tour transformé. Tout se transforme. C'est ce qu'il faut retenir dans ce petit modèle, dans ce petit schéma, c'est que tout va changer en permanence. Et pourtant, nous avons tout de même besoin d'une certaine stabilité, parce que la mémoire, c'est aussi une certaine stabilité. Vous voyez, c'est une stabilité sur une situation un peu d'incertitude, de mouvance. Alors, le nouvel épisode dans les histoires de neuropsychologie et de patients amnésiques, ça c'est un article qui est paru il y a maintenant presque une dizaine d'années dans le Science. C'est trois enfants, c'est l'histoire de trois enfants qui sont décrits quand ils sont adolescents par une équipe anglo-américaine. Et ces enfants, ils sont adolescents, ils vont voir le neuropédiatre qui s'appelle Faraday Maracadem. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces observations, c'est que, un, ces patients ont des troubles de mémoire relativement importants. Ce ne sont pas vraiment des syndromes amnésiques comme HM, mais c'est quand même des troubles de mémoire relativement importants. Et ce sont cette fois-ci des enfants qui ont des lésions néonatales, donc très très précoces. Donc, et ça, c'est très important parce que ça veut dire que. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, quand un enfant naît, avec des lésions très importantes des hippocampes? Parce qu'on est dans une situation très différente de l'adulte qui a formé déjà beaucoup de connaissances, beaucoup de souvenirs et qui devient amnésique. Alors je change un petit peu dans le détail de ces observations. Bon, cette observation-là, c'est juste pour montrer l'anatomie. J'ai vu des patients qui s'appellent BES, pour montrer que ces hippocampes sont très altérés. Et puis, expliquer l'histoire qui est maintenant bien connue de ces patients, parce que depuis d'autres patients ont été décrits, et c'est une histoire un peu stéréotypée. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont un premier développement tout à fait normal. Donc, vous voyez, ils ont des lésions des hippocampes néonatales, mais ils se développent normalement sur le plan psychomoteur. Donc, vous pouvez me dire, oui, la psychomotricité, ça n'a rien à voir avec la mémoire, je vous dis. Ils apprennent le langage. Normalement, le langage. On vous dirait aussi que le langage n'a rien à voir avec la mémoire. Ils apprennent le nombre. Compliqué, parce que le langage c'est une chose, mais le nombre, c'est compliqué le nombre pour un enfant de 18 mois, 2 ans, 3 ans. Ils apprennent le nombre. Ils maîtrisent les concepts et ce nombre compliqué que les enfants. Comme les enfants qui n'ont pas de lésions compliquées. Alors vous pouvez me dire, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans le cerveau, il y a eu des réorganisations, ce qui est vrai. Et heureusement, le phénomène de plasticité qui font qu'ils ont compensé, bien sûr. Mais pourtant, la pathologie survient après. Elle survient vers l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est toujours à peu près au même âge. Et là, les enfants ne peuvent pas rapporter les petites anecdotes du jour. C'est-à-dire que si l'enfant arrive avec son pantalon troué le soir à la maison, il est incapable de dire ce qui s'est passé à sa mère, à son père, à ses proches. Et les éducateurs remarquent aussi des oublis très fréquents, beaucoup plus qu'un enfant qui serait distrait, fourni, etc. Donc vous voyez, ça c'est très important. Il faut prendre dans les deux sens hein, ce phénomène, à savoir que bon, la lésion hippocampique bah, se révèle à un moment, et donc provoque bien un syndrome amnésique, même s'il est moins intense que chez l'adulte. Ça c'est le premier résultat. Puis le deuxième résultat, peut-être encore plus important, c'est que ces enfants ont appris des tas de choses, des tas de connaissances, alors qu'ils avaient ces lésions hippocampiques.
Ça ne les a pas empêchés d'apprendre. Donc ils ont appris sans souvenir. Vous voyez, c'est quand même assez contre-intuitif. Parce qu'on a plutôt l'intuition de penser qu'on forme des souvenirs, et puis qu'on oublie un certain nombre de choses, et qu'on forme des connaissances. Et eux, ils ont formé des connaissances sans passer, j'ai envie de dire, par la case souvenir. Bon, ça, c'est des examens neuropsychologiques que je ne détaille pas. Pour montrer qu'ils ont un QI normal. Par contre, vous voyez leur performance de mémoire. Donc en gros, c'est un sujet contrôle qui copie une figure et puis ensuite qui la restitue de mémoire. Puis vous voyez les résultats qui sont très très faibles hein, des autres enfants. Ça, c'est d'autres exemples. Ça, c'est des travaux que j'avais fait ici quand mon laboratoire était à Paris avec l'hôpital Necker. Alors là, la situation est un petit peu différente. C'est une petite fille, le résultat que je vais vous montrer, qui avait un syndrome amnésique très très important. Et donc c'est cette petite fille KF, on voit qu'elle a des lésions hypocampiques majeures. Bon, elle avait en plus des troubles intellectuels, elle avait vraiment des gros troubles cognitifs. Ça, c'est ses performances de mémoire de cette copie, de cette figure. Et pourtant, on lui a appris des tas de choses. Dans certains contextes, on lui a appris des nouveaux concepts. Par exemple, là, c'est le concept de macareux. Macareux, c'est un oiseau qui vit dans les îles de l'Atlantique, un bec de perroquet qui niche dans les falaises, dans les trous de lapin, etc. Et on a pu lui faire apprendre l'association de ces différents éléments contextuels. Et elle savait après ce que c'était qu'un macareux, c'est ce qui est expliqué dans la graphique qu'on voit où ses performances sont. Et pourtant, elle n'avait absolument aucun souvenir de comment elle apprenait ça. Donc vous voyez, là aussi on a cette distinction entre les connaissances qui se forment et les souvenirs donc dans la pathologie qui ne peuvent pas se former. Alors, les diapositives suivantes, on en vient maintenant au développement de la mémoire chez l'enfant, on appelle typique, un enfant qui n'a pas de maladie. Alors avec des grandes périodes, une période avec des rudiments de mémoire, des mémoires relativement simples, mais qui sont pourtant très importantes, qui se mettent en place progressivement, des capacités d'imitation différées. Et puis, chez l'enfant de 2 à 4 ans, qui est une période qui est très importante, ce qu'on appelle une mémoire des événements, une mémoire événementielle. C'est-à-dire que l'enfant, à ce moment-là, il mémorise des événements, mais il n'a pas vraiment une mémoire épisodique structurée. Il va capter des éléments, hein, des éléments qu'il vit. Et quand on interroge les enfants, bien on s'aperçoit effectivement que c'est une mémoire très parcellaire. Mais c'est une mémoire pourtant qui lui permet de former beaucoup de connaissances. Et puis ensuite, la mémoire épisodique, elle se développe à partir de ce qui correspond, vous voyez, à la description des enfants amnésiques, à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à l'adolescence. C'est là qu'on va avoir la mémoire se structurer. En même temps, qu'une autre capacité qui est très importante, qui s'appelle une capacité de théorie de l'esprit, c'est-à-dire se lire en fait dans les états mentaux d'autrui. Ce que je suis en train de faire, je vous regarde, je m'adapte à vos sourires, à votre attention, à vos mouvements, et de plus en plus l'enfant est capable de faire ça. Donc il y a un lien entre ce que j'ai appelé tout à l'heure le voyage mental dans le temps, dans le passé, dans le futur, et puis vers l'autre. Et en imagerie cérébrale, je vais vous montrer ces résultats-là ce soir, et on a montré la similarité des réseaux du voyage. En fait, le cerveau, c'est un voyageur. Le cerveau, il est capable de voyager dans le temps, il est capable de voyager vers les autres. Alors, si on continue, ça permet de réfléchir sur quelque chose de très important, ce qu'on appelle l'amnésie infantile. Alors là, je ne parle plus de pathologie, je parle d'une amnésie que nous partageons tous. Si on est amnésique de cette période de vie, on pourrait y revenir dans la discussion, mais c'est en partie à partir de ce que je viens de. On peut le comprendre à partir de ce que je viens de vous expliquer. Et puis ensuite, l'enfant grandit. L'enfant grandit et bon, ça c'est des choses qu'on a étudiées. Et ce qui va être le plus long à se mettre en place, ce qu'on va sur le graphique ici. Donc la mémoire épisodique, vous avez compris que c'est quoi ou quand. C'est un événement situé dans son contexte temporel et dans son contexte spatial. Et ce qui va être le plus lent à se mettre en place, c'est cette mémoire temporelle. C'est le nous. C'est le quand. Et le quand, ça va être aussi quelque chose qui va être très fragile.
Et je pense qu'on le ressent les uns les autres si on est fatigué, si on est surmené, si en vieillissant. C'est ce qu'on appelle l'amnésie de la source. C'est pas un syndrome amnésique, mais on se souvient d'un événement, par contre on a beaucoup de mal à savoir quand est-ce qu'on a appris cet événement. Donc je ne vais pas tout détailler. Alors, ça c'est un domaine de recherche qui est très important, c'est la maturation du cerveau chez l'enfant. C'est un domaine relativement récent. L'imagerie cérébrale s'est d'abord développée chez l'adulte avant de se développer chez l'enfant. Et schématiquement, ce que je ne vais pas détailler tout ce champ de recherche, c'est un gradient postéro-antérieur. C'est-à-dire que le cerveau antérieur va mettre beaucoup de temps à se développer, à arriver à sa maturité. Il va falloir en fait l'adolescence, et même la grande adolescence, pour parvenir au cerveau d'adulte. Ça, c'est aussi très très important. C'est très important, compris en termes d'éducation, peut-être de neuroéducation. Je pense que ça, ce sont des données qui sont importantes à intégrer dans l'éducation moderne. Je pense que c'est un champ de réflexion qui va beaucoup se développer. Alors ça, c'est des images qui avaient un petit peu au même. Je voulais juste vous montrer, je vais passer tout ça, parce qu'en fait, le temps passe vite. J'ai juste vous montrer une étude de mon laboratoire qui a été faite par une étudiante qui travaille avec nous sur un autre sujet dont tu parleras, c'est Frédéric Desjets. C'est un travail qui est intéressant en imagerie cérébrale, qui est assez nouveau, qui va être publié dans une grande revue, qui n'est pas encore qui sous presse, hein, et qui est intéressant parce qu'il met en relation deux concepts qui sont importants, le concept de mémoire et puis le concept d'identité personnelle. Et les liens entre la mémoire et l'identité personnelle à une période cruciale qui est la période de l'adolescence. Alors, le paradigme qui est manipulé là, c'est une étude qui se fait en milieu fonctionnel, c'est un paradigme d'effet de référence à soi. L'effet de référence à soi, c'est que si je vous demande de traiter des adjectifs, et si je vous demande de ces adjectifs, soit je vous demande de dire si c'est un adjectif plutôt positif, plutôt négatif, soit je vous demande de me dire si cet adjectif caractérise quelqu'un d'autre ou s'il vous caractérise vous. Donc, par exemple, attentif, est-ce que je suis quelqu'un d'attentif? Est-ce que je suis inquiet? Est-ce que je suis généreux? Donc, je fais ce traitement par rapport à moi versus le faire par rapport à quelqu'un d'autre. Et l'effet de référence à soi, c'est le fait que quand je traite une information par rapport à moi, je vais avoir un effet sur la mémoire, un effet positif sur la mémoire. Je vais mieux mémoriser, de façon générale, ces adjectifs qui ont été traités par rapport à moi versus les autres situations. Alors c'est ce paradigme qui a été utilisé, et on retrouve l'effet de référence à soi dans ce petit graphique. Ça c'est de voir, c'est par rapport à moi, par rapport à un autre, et puis ça c'est le traitement sémantique. Ça c'est l'effet sur la mémoire. Et alors, plus intéressant, ça que je vais vous montrer, c'est les activations en IRM fonctionnel, qu'on voit ici de l'autre côté. Alors, ça, c'est ce qui est ici en bleu, c'est les activations qui sont plus importantes en soi versus la condition de référence. En jaune, c'est autre versus la condition de référence. Et puis ici, il y a toute une région qui est commune. Alors, quand on fait l'analyse de conjonction entre les deux situations. Là, on différencie les deux situations, et puis en fait, le résultat le plus intéressant est là, où on voit, ici, ce sont les âges du sujet, et on a fait des extractions dans les régions qui étaient activées, et on fait des corrélations entre l'activité cérébrale dans deux régions, et puis ici, l'âge du sujet. Et ce que l'on voit ici, c'est que les activations d'une région du cerveau, qui est ici en avant du cerveau, qui s'appelle le gène singulaire antérieur, eh bien, elles sont stables au cours de l'adolescence pour le processus qui correspond à soi. Et vous voyez que l'autre résultat intéressant, c'est alors qu'au départ, cette région, elle sous-tendait également les processus de référence à l'autre, soit et l'autre, à un moment donné, étaient confondus. Et on voit qu'au cours de l'adolescence, eh bien, on a une dissociation, on a une dédifférenciation entre cette région qui devient spécialisée pour le traitement du soi,
de l'identité personnelle et pour le traitement de l'autre. Donc cette diapositive, elle reprenait un petit peu ce que je viens de vous dire là, je vais passer. Je vous montre juste cette dernière diapositive avant de passer la parole à Denis Péchanski. Pour vous prononcer quelques mots sur les mécanismes de consolidation que j'ai évoqués tout à l'heure, de sémantisation, et puis pour dire un mot du sommeil, pour dire que le sommeil joue un rôle essentiel dans ces processus. Alors ça, c'est un travail qui a été publié aussi récemment, et c'est une étude intéressante parce que c'est une étude qui se fait dans le temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, on demande c'est une situation un petit peu expérimentale, on demande à une personne, une série de sujets, de mémoriser des images, donc il mémorise des images. Bon, ensuite, les sujets bénéficient d'une épreuve avec le lien fonctionnel, dont je ne vais pas vous parler là. Ensuite, il y a un premier jour. Ensuite, il y a une nuit de sommeil ou une nuit de privation de sommeil pour certains sujets. Une deuxième nuit où les sujets récupèrent. Une troisième nuit où ils récupèrent. Et puis ensuite, on leur demande de reconnaître les images mélangées à d'autres. Pendant là aussi une mesure virale fonctionnelle, et puis ensuite on revoit le sujet 90 jours après. C'est ça qui est en fait le plus original, c'est qu'on a deux temps de reconnaissance, on a après trois jours, en manipulant la privation de sommeil pendant la première nuit, donc qui va modifier l'apprentissage, et puis on a à nouveau l'expérience qui est faite 90 jours après. Alors, les résultats ils sont sur la partie gauche. Je vais juste vous expliquer le principe. C'est qu'on s'est intéressé au type de réponse des sujets. Quand les sujets faisaient les bonnes réponses, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient l'image, qu'ils reconnaissaient correctement l'image, à ce moment-là, on leur posait un certain nombre de questions sur cette image, sur ce qu'on appelle les états de conscience qui étaient associés à cette reconnaissance de l'image. C'est-à-dire, est-ce que ça leur évoquait vraiment le souvenir de quand on leur avait présenté l'image, les pensées qu'ils avaient eues, par exemple, l'image de la plage, eh bien, est-ce qu'ils étaient capables de dire, oui, quand j'ai vu l'image de la plage, ça m'a rappelé un voyage aux Antilles avec mes petits-enfants, etc. Vraiment évoquer un souvenir, ou est-ce que simplement les personnes étaient capables de donner la bonne réponse, mais une réponse décontextualisée, ils ne savaient pas si cette image, ça correspondait vraiment à un souvenir précis. Ils étaient sûrs que c'était une bonne réponse, mais ils avaient perdu les éléments contextuels. Alors, on s'est intéressé aux réponses qu'on appelle reminder, qu'on appelle souvenir, quand les personnes donnaient une bonne réponse et une réponse souvenir, trois jours après la présentation des images. Donc ça, on avait une signature, qui est ici en rouge, avec notamment des activations des hippocampes. C'est-à-dire quand les sujets récupèrent bien l'information et avec le sentiment de se retrouver en fait dans la scène où ils mémorisent les images, les sujets ont des activations hippocampiques. Et puis qu'est-ce qui se passe trois mois après? Et là, une fois qu'on est dans le cœur du sujet, il y a deux situations. Ces images qui sont à nouveau reconnues, soit elles sont restées des souvenirs. C'est-à-dire que le sujet est toujours capable de dire oui, là, l'image de la plage, je l'ai vue. Et d'ailleurs, quand je l'ai vue, la première fois, j'avais pensé à un voyage aux Antilles avec mes petits-enfants, etc. Je revoyais la piscine, etc. Vous voyez, un véritable souvenir. Versus des réponses souvenirs qui étaient devenues des réponses connaissances. C'est-à-dire que le sujet était toujours capable d'indiquer qu'il avait vu cette image-là. Par contre, il ne savait plus bien le contexte de quand, comment, ce à quoi il avait pensé. Donc c'était un souvenir qui s'était transformé en connaissance. Alors là, la réponse en image est intéressante, parce que dans le cas où le souvenir était resté un souvenir, on avait toujours des activations des hippocampes. Vous voyez, un petit peu le chef d'orchestre de la mémoire épisodique avait trouvé toujours la signature de l'hippocampe, alors que dans la situation qui n'était pas une mauvaise situation, hein, ce n'était pas une moins bonne réponse de dire « je sais, hein, je donne la bonne réponse », mais sans pouvoir évoquer le souvenir associé, à ce moment-là, on n'avait plus l'activation
hippocampique, mais on avait des activations essentiellement néocorticales. Vous voyez, là, on voit l'ensemble du néocortex, une partie de certaines régions du néocortex. Ce qui montre bien que la formation des souvenirs, c'est ça. On va avoir des souvenirs qui vont rester des vrais souvenirs, et puis en fait, on va avoir beaucoup de souvenirs, certainement beaucoup plus, qui vont devenir des connaissances. Et notre mémoire, ça va être, c'est en partie ça. Ça va être un assemblage composite de connaissances. Alors, certaines qui sont issues de cette transformation des souvenirs, on est bien dans le sujet de ce soir, d'autres qui ont été formées sans passer par la case souvenir, peut-être rappelez-vous des enfants amnésiques, et c'est aussi la même chose, ou quasi, chez les enfants qui ne sont pas amnésiques, qui ont formé des connaissances sans avoir pu former des souvenirs, notamment quand ils sont petits. Et puis enfin, on a ces vrais souvenirs alors, qui vont rester parce qu'ils ont un statut particulier. Ils ont un statut particulier pour donner une cohérence à notre vie et en même temps renforcer les connaissances. C'est-à-dire que les souvenirs qui vont être emblématiques de certaines périodes de notre vie, bien, ils vont donner du sens à l'ensemble de cette trajectoire. Voilà, je ne vais pas dépasser mon temps parce qu'il faut qu'on ait un petit peu de temps pour la discussion. Si vous êtes intéressé, il y a ces livres, hein, puis celui qui vous a été présenté tout de suite. Je m'arrête, je vous remercie pour votre attention, et puis je cède la parole à Denis, que je vais écouter avec plaisir, et puis ensuite on en discute. Je réclame une
béatitudes éternelles, pourvu que dans l'éternité, je me souvienne de tout. 1931. Vous avez évidemment eu la réponse sur mémoire et oubli, et une autre réponse, on reste dans le domaine des arts et des lettres, avec Funès, enfin, dans les œuvres de Borges, vous avez ce personnage de Funès qui, lui, ne peut pas vivre et survivre parce qu'il se souvient de tout. Ça, c'est cette question clé qui finalement va tarauder toutes nos réflexions sur la mémoire et sur l'articulation entre mémoire et oubli. Alors, je vais prendre d'autres exemples. J'ai eu un dialogue avec Boris Cyrulnik, que vous connaissez bien, et Cyrulnik avec son vocabulaire, vous l'avez tout de suite retrouvé, mais il me dit, on a publié quelques, justement, nos échanges dans un court ouvrage, et il commence comme ça, il me dit, voilà, on a fait des expériences, à Caen d'ailleurs, et aux États-Unis, et on a mis une casserole sur la tête. Est-ce que vous voulez dire une casserole sur la tête? Non, la lingerie. Et on dit, bah, on propose à la personne, on lui dit, mais qu'avez-vous fait dimanche dernier? Là, 7-8 secondes, ça monte au cerveau et vous avez des lumières qui s'allument, des connexions qui se font. Et puis, un peu plus tard, on lui dit, mais dans 8 jours, dimanche prochain, dans un an, qu'est-ce que vous pensez que vous allez faire? Et là, vous avez le même mécanisme avec cette 8 secondes d'hésitation, les lumières qui s'allument, les connexions qui se font, et vous apercevez de quoi? Que les eaux de l'anticipation dans le cerveau sont les mêmes que les eaux de la mémoire. Et il me dit, qu'est-ce que l'historien fait avec ça? Une bonne question, hein? Parce que l'historien qui, comme moi, travaille sur la Seconde Guerre mondiale, maintenant un peu sur le 11 septembre 2001, il va avoir des témoins. Et le témoin qui se trouve en face de lui, il parle de quoi? De l'instant T qui est l'événement dont il parle, du moment où il s'exprime, ou de son horizon d'attente. Donc on a un choc de temporalité, et très clairement ce que nous apprend cette réflexion, cette découverte des neurosciences, c'est qu'évidemment, on ne peut rien comprendre si on ne prend pas en compte ce choc des temporalités et ce mélange entre les zones, enfin, cette connexion entre les zones de l'anticipation et ces zones de la mémoire. Un autre exemple, c'est venu d'un neuroscientifique, Joseph Ledoux, qui est professeur à New York University, très grand neuroscientifique. Il avait demandé de faire une conférence dans le cadre de justement de nos échanges transdisciplinaires. Et on était à New York, il avait présenté une réflexion, ses hypothèses sur la question majeure, à laquelle on n'a pas encore tout à fait trouvé de réponse, 70 ans après l'événement, en disant Deuxième Guerre mondiale. Quand on demande à quelqu'un de se souvenir de cet événement-là et de raconter, il part de quel moment? Il part de l'événement T, c'est-à-dire le moment où il parle, moins 70 ans. Et à Joseph Ledoux, vous dites, Joseph Ledoux, vous dites, spécialiste de l'amygdala, il vous dira non. Il part de la dernière remémoration. Important. Parce que ça veut dire que quand, moi, Péchanski, j'interroge un témoin ayant vécu la Seconde Guerre mondiale, je dois prendre en compte le fait, selon l'hypothèse de Joe Ledoux, que sa dernière remémoration est son point de départ, et non pas le point d'origine qui est l'événement dont il va me parler. Vous voyez, ça a évidemment des conséquences pour des historiens. Alors on pourrait parler, et puis, oui, la question absolument fondamentale qui a été évoqué, la question de la consolidation et de la reconsolidation. Voilà un exemple de reconsolidation à la dernière remémoration qui nous interroge. Mais consolidation, reconsolidation, vous voyez bien que c'est là
où effectivement ce dialogue entre neuropsychologue et historien est non seulement possible, mais absolument indispensable. D'autant plus qu'on remarque, et l'un et l'autre, que le témoin a besoin d'un récit stable. Vous prenez un témoin juste après l'événement, son récit est haché, il a quelques éléments d'information lacunaires, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Mais très vite, s'il veut vivre avec ce souvenir, surtout un souvenir traumatique, il a besoin de se construire un récit, de se construire une histoire. Et là, il y a une autre anecdote, travaillant sur le 11 septembre 2001 avec les équipes de New York, il s'avère que Columbia et la New School, qui sont deux grandes universités new-yorkaises, ont fait un même type de travail, ils ont interrogé des personnes juste après l'événement, et pour un certain nombre d'entre elles, les ont réinterrogées un peu plus tard. Un an plus tard, 3 ans plus tard, la New School, même 10 ans plus tard. Les mêmes personnes, vous imaginez la richesse de ce type de sources, et Fanny Desgènes qui a été évoquée, là justement, est en train de travailler sur les cas de corpus de la New School avec les 206 ou 210 personnes qui ont été interrogées juste après l'événement, un an après, 3 ans après, 10 ans après, pour voir comment évolue l'événement. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais bien entendu, au début, c'est extrêmement flou. Mais dès la première année, vous avez un récit constitué, stable, cohérent, qui permet à la personne de vivre avec cet événement. Et ce récit cohérent, il est évidemment le fruit d'une interaction d'abord entre lui et son environnement immédiat, mais entre lui et la télévision, et la radio, et les réseaux sociaux, et au bout d'un an, il va construire quelque chose qui peut-être d'ailleurs va lui permettre, grâce à cette interaction, de faire réapparaître, réémerger des choses qui étaient très 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 loin derrière, parce que c'est assez traumatique, et qui vont être associés à cette histoire, alors même que ces événements avaient été refoulés, vous voyez, la psychanalyse peut être utile, mais ça peut être aussi une invention, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'approprie des événements, ou des sources d'informations données par d'autres, on se les réapproprie dans sa propre histoire pour construire un récit cohérent, et ça devient son histoire. Voilà. Donc voilà quelques pistes qui m'ont amené à privilégier ce type de dialogue, ce type d'information. Alors, quelques outils très rapidement, ça va être un petit peu compliqué d'ailleurs. Je regarde un petit peu de l'oreille pour qu'on puisse vraiment dialoguer. Mais premier cas, premier exemple, premier outil conceptuel, vous savez, c'est comme dans beaucoup de sciences, en histoire, on a besoin de se construire des outils pour comprendre le réel, pour analyser le réel. Bon, rien que ces outils, que je propose, ce sont les conditions de mise en récit mémoriel. C'est venu aussi d'une interrogation, d'un dialogue avec une psychanalyste, qui me dit, parce que je parlais de mémoire traumatique, mémoire traumatique de... Parce que, évidemment, c'est quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, elle me dit, tu sais, nous, c'est ma Christine Asnik, un psychanalyste qui me dit, tu sais, pour nous, mémoire traumatique, c'est problématique. C'est un peu ce que vous disiez, Francis, tout à l'heure. Vous disiez, le problème, c'est que le trauma, c'est la présence du passé comme présent. Dans le passé. Ça vous envahit tout. Mais si le passé est présent, il n'y a plus de place pour la mémoire. Donc la seule façon pour qu'il y ait de la place pour la mémoire, c'est de refouler. C'est le refoulement pour les psychanalystes, bien entendu, plus ou moins bien réussi, peu importe, mais une fois que vous avez refoulé, vous avez de la place pour la mémoire, puisque l'événement est renvoyé dans le passé. Mais s'il est renvoyé dans le passé, il n'est plus traumatique. Donc, mémoire traumatique, occident. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Non, ça veut dire que je ne parle plus de mémoire traumatique, bien entendu. Et en revanche, utilisation métaphorique. Bon. Et pourquoi ça m'intéresse? C'est parce que là, vous voyez, on se pose la question des conditions pour passer d'une... pour qu'un événement devienne un événement
dans la mémoire d'un individu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment des événements qui aussi, et surtout comme historien, c'est comment des événements qui sont partagés par toute une série de personnes deviennent des éléments structurants de la mémoire collective. Alors, on va prendre des contre-exemples. Ça, c'est le plus intéressant. Le premier, l'exode. Vous savez, mai, juin 40, vous avez 8 millions de personnes sur la route. Si vous rajoutez les personnes qui ont accueilli 8 millions de personnes en question, en France métropolitaine, face à l'offensive allemande, vous avez plus de la majorité, enfin, plus de la moitié de la population qui a été concernée peu ou prou par l'exode. Or, l'exode n'est pas un élément structurant de la mémoire collective. Vous en entendez parler, bien sûr, il y a des fuites, des choses comme ça. Enfin, on voit bien la figure du héros, on voit bien la figure de la victime juive, on voit bien Vichy, on voit bien l'exode. Non. Et pourquoi on en parle? Parce qu'on ne peut rien en faire. C'est un événement qui n'a pas de sens. C'est un événement qui n'a pas d'utilité sociale. C'est un événement tel qu'on l'interprète, en tout cas, pour l'instant, peut-être un jour ça viendra, mais pour l'instant, qui ne peut pas être un élément structurant de la mémoire collective parce qu'il n'a pas d'utilité sociale. Parce qu'il ne participe pas à la construction, il ne peut pas participer à la construction d'une identité collective, ce qui est définitoire de la mémoire collective. Donc, voilà un exemple. Deuxième exemple, les bombardements, je prends, parce que c'est toujours plaisir à Francis qui est normand, donc je prends toujours cet exemple aussi, les bombardements, ça fait plaisir, vous avez bien compris que je travaille sur des sujets qui ne sont pas vraiment marrants, donc je vais un peu vite dans les aussi, commentaires. Les bombardements de 1944 en Normandie. Le débarquement, vous connaissez. La bataille de Normandie, vous connaissez. Là, en 2 mois et demi, tapis de bombes sur les villes normandes. Des villes qui n'avaient été pratiquement pas touchées pendant les 4 ans d'occupation, avec peu de mortalité, sont rasés en toute ou partie, pensez à Caen, pensez à Falaise, pensez à Saint-Lô, etc., sont rasés toute ou partie, mais par qui? Par les bombes lancées par les copains qui viennent vous libérer. Qu'est-ce que vous faites avec ça? On n'en fait rien. Et donc voilà un événement qui est un événement partagé par toutes les familles normandes, un événement qui est même récurrent dans leur propre histoire, mais qui n'a jamais été un élément, qui a pris, jamais été, comment dire, monté à l'étage au-dessus. Il n'a jamais été un élément structurant de la mémoire collective. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien en faire. Parce qu'il n'a pas de sens. Parce qu'il n'a pas d'utilité sociale. Alors ça commence à bouger, ça qui est intéressant. Il y a un discours du président, le 6 juin 2014, devant le mémorial de Caen, où il a parlé des civils en guerre, bon, c'est pas un résistant, et il a mis évidemment l'essentiel, il a centré l'essentiel de son discours sur les victimes des bombardements, c'était volontaire. Il y a un mémorial, un musée mémorial qui va se construire à Falaise sur les civils en guerre, pas sur les bombardements, sur les civils en guerre. Ça va évidemment intégrer cette mémoire. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Mais vous voyez, il faut toujours s'interroger sur ces conditions-là. Alors, une deuxième série d'interrogations autour de ce que j'appelle les régimes de mémorialité. Alors, ça fait un peu snob, mais vous allez comprendre très, très vite, vous pouvez remplacer par configuration mémorielle, ce n'est pas génial, mais ça renvoie à un régime d'historicité de des amis Lanclus et Hartog qui ont réfléchis eux sur les appropriations du passé, c'est historique, et dont l'objet dans leur analyse était de montrer que on ne peut pas évidemment juger les approches historiques dans les périodes passées à partir des outils d'analyse d'aujourd'hui, et de parler par exemple d'un père de l'histoire, Hérodote, alors que bien entendu Hérodote doit être jugé en fonction des
épistémologique de l'époque, on va dire, pour aller vite. Bon. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Et sachant derrière, bien entendu, c'est les régimes de vérité de Foucault qui ont marqué toute cette génération. Quand je parle de régime de mémorialité, c'est tout simplement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que la mémoire collective, c'est une appropriation sélective des événements du passé, on fait le tri, pour construire l'identité, pour participer à la construction de l'identité d'un groupe. Voilà. On va aller très vite. Donc, mais ça se pose à tout moment. Si vous utilisez ce terme, ce concept de régime de mémorialité, ça vous permet de dire, mais oui, mais on peut aussi étudier dans l'Antiquité des régimes de mémorialité. Au Moyen-Âge, des régimes de mémorialité. Et puis si on restreint les échelles, les régimes de mémorialité pour parler de la Deuxième Guerre mondiale, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale en France, eh bien vous voyez très bien que on a plusieurs régimes de mémorialité qui vont se succéder. Juste après la guerre, jusqu'en 1948 à peu près, on a tous les possibles. Toutes les mémoires sont possibles, sont ouvertes, quoi qu'on ait dit. On a beaucoup parlé de la mémoire de ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, qu'on n'appelait pas la Shoah à l'époque. Donc, déportation pour l'extermination des Juifs. On parlait bien entendu de la mémoire du héros, qui était une mémoire dominante. Mais on parlait aussi de la mémoire des prisonniers de guerre, des STO. Donc, on avait tous les possibles. À partir de 1948, ça se ferme. Et vous avez là une baisse de toutes ces mémoires-là, avec simplement une dominante, très claire, qui sera la mémoire du héros résistant. Et puis à partir du retour de Gaulle, donc troisième période, à partir de 58 jusqu'à la fin du gaullisme, on a évidemment l'ère un régime de mémorialité structuré autour de la figure du héros résistant. Je vais très vite, hein, sachant que les autres ne disparaissent pas. Je vais expliquer après pourquoi. Et bien entendu, à partir des années 70, Chagrin et la pitié, Français si vous saviez, Chanson sous l'occupation, et puis les travaux d'historiens comme Paxton et quelques autres écoles françaises qui va suivre, que je m'inscris aussi bien entendu, sur le régime de Vichy. Le régime de Vichy a existé. La figure du héros va s'affaiblir et va être remplacée comme figure dominante par la figure de la victime, et singulièrement la victime juive. Et là, depuis, pour aller vite, hein, parce que là on est dans du très contemporain, on va voir si ça se confirme, vous en avez un témoignage dans la panthéonisation récente, on sent que là on est dans une période de convergence mémorielle, en quelque sorte, entre... non pas de concurrence, mais de convergence entre les différentes figures, et singulièrement la figure du héros résistant et la figure de la victime juive, qui se partagent en quelque sorte l'espace mémoriel. Mais attention, autre concept, et je terminerai là-dessus, autre concept, je pense important, plutôt que de parler d'occultation, on parle toujours d'occultation, mais on en parle toujours après. On ne parle jamais d'occultation pendant. Je parle des régimes démocratiques, je ne parle pas évidemment des dictatures où là, il y a un ordre. Il n'y a pas d'occultation. Il y a très rarement d'occultation. En revanche, quand il n'y a plus d'occultation, entre guillemets, qu'on en parle tout le temps, alors là, on dit oui, il y a eu occultation. Bon. Mais en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui se passe. Je préfère parler, donc, nouvel outil conceptuel, de mémoire forte et de mémoire faible. C'est-à-dire que, et là, on pourra sans doute dialoguer là-dessus avec les neuros et les psychologues, c'est le fait que, effectivement, il y a des moments où des figures sont dominantes. On a une mémoire forte. Et d'autres, on a une mémoire faible. Dans les années 50, toutes ces mémoires de la Deuxième Guerre mondiale vont s'affaiblir très fortement. Ça se voit une série d'indicateurs. Mais vous en avez une qui reste une mémoire dominante, qui va s'affirmer malgré tout, tout en étant très affaiblie, c'est la mémoire, c'est la figure du héros résistant. Pendant les années 60,
Bien sûr, vous avez la figure du héros résistant autour de Gaulle, parce que De Gaulle construit sur sa légitimité sur 1940, bien sûr. Mais la figure de la victime juive ne disparaît pas. C'est une mémoire faible. Donc vous voyez, et dans les années 70, 80, 90, là c'est la mémoire juive et la figure de la victime juive qui sont une mémoire forte, alors que vous avez un affaissement de la figure du héros résistant, qui devient une mémoire faible. Et en même temps, pour vous montrer la complexité et le pont qui permet de relier ça au régime de mémorialité et aux conditions de la mise en récit mémoriel. À la fin des années 1990, vous avez l'entrée, comme par effraction, dans la mémoire collective de l'enfant caché. Vous savez, ces enfants juifs qui ont été cachés pendant la guerre. Et comment ils rentrent dans la mémoire collective? Ils rentrent comme par effraction dans la mémoire collective, non pas au premier degré, avec des gens qui arrivent en disant « Écoutez, on s'est tués pendant des décennies parce que nos parents étaient morts, ou notre famille était morte dans les chambres à gaz et que nous, on avait survécu malgré tout. » Ils disent pas ça. Ils interviennent en disant « Nous sommes les porte-parole d'une résistance dont vous ne parlez pas, qui est la résistance de sauvetage. Nous sommes les témoins de cette histoire-là. Et nous, enfants cachés, nous allons prendre la parole pour parler de ces résistants-là. » Et voyez comment, jeu de billard, c'est pas bon terme, vous avez entendu, vous avez compris, fin des années 90, comment une mémoire qui était une mémoire faible, qui vraiment n'était pas un élément structurant de la mémoire collective, comment ils vont rentrer dans la mémoire collective par le biais de la résistance et de la mémoire résistante. Et là, l'enfant caché va apparaître à la fin des années 90, va émerger dans la mémoire collective. Pensez à l'émission à très grand succès et l'ouvrage à très grand succès, Parole d'étoiles. Vous avez donc une émergence dans la mémoire collective, donc une temporalité différente, vous voyez, ça rentre, mais par le biais d'abord de la résistance. Simplement après, ils disent, bon, il y a les résistants qui nous ont sauvés, mais on va vous expliquer ce qu'on a vécu. Parce que c'était quand même pas si simple. Bien entendu, nous n'avons pas terminé notre vie dans les chambres à gaz, mais on était en situation insécure et on va vous expliquer comment ça se passe. Et c'est pour ça, je boucle ma boucle, Cyrulnik, il a écrit ses mémoires il y a 3 ans. Il n'avait jamais parlé de sa situation d'enfant caché avant, dans un ouvrage public, j'entends. Alors qu'il est impossible de comprendre les travaux de Cyrulnik sur la résilience si on ne prend pas, si on n'a pas en tête qu'il a été enfant caché et qu'il s'est reconstruit après-guerre comme enfant caché. Il va en parler quand? Au moment, bien entendu, de la transmission à la fin de sa vie, mais en même temps, il n'en a pas du tout parlé avant. Donc, vous voyez ces éléments. Alors, c'est-à-dire, il faut bien qu'on soit utile à quelque chose, de parler de la mémoire, de parler de la culture, de revenir sur ces histoires. Et puis j'ai trouvé ça, qui me sert d'ailleurs dans mon... qui me sert, vous savez, de petite image post dans mon... en Facebook. Je trouve extraordinaire, avec évidemment les différentes périodes. Pierre Tombal dans un cimetière où vous avez tous les génocides, les massacres de masse, les exterminations, les tueries civiles qui ont jalonné toute l'histoire du XXe siècle et qui continuent au début du XXIe siècle. Voilà. Alors, comment vous dire? Ça rend quelque peu interrogatif sur les capacités de l'humanité, et plus encore sur les capacités des historiens dans leur mobilisation éventuelle pour empêcher que ça ne revienne. Désolé de terminer sur cette note peu optimiste. Je vais poser une question au sujet de... Enfin, je pense que vous avez beaucoup parlé de la façon dont
demandé s'il y a des études sur le phénomène, c'est-à-dire le transfert de quelque chose de public vers l'individu, c'est-à-dire quelque chose de sémantique devient épisodique, mais sans passer par le sensoriel. Je ne sais pas si je suis un peu dans la façon dont quelqu'un, un individu, s'approprie un souvenir collectif. Moi, je vais vous répondre avec nos propres expérimentations, c'est en cours. Je pense que vous posez une très, très bonne question, une importante question. Ces mécanismes-là sont des mécanismes très complexes, on fait ça en général, on n'est pas capable de répondre. Avec ce qu'on essaye de faire, par exemple, pour les visiteurs de mémoriaux, on essaye d'analyser les visiteurs. Comportement des visiteurs des mémoriaux, capteurs électroniques, choses comme ça, le tracking des lunettes qui permettent de suivre le regard. Et ça nous permet de voir un petit peu comment la personne réagit. Et finalement, on s'approprie en quelque sorte un parcours qui est un parcours extérieur. Et là, vous avez une combinaison assez complexe entre mémoire épisodique. Son expérience et ce qu'elle cherche là. Et là, vous avez une combinatoire extrêmement complexe. Je ne suis pas sûr. Alors, ça, ce que j'aimerais bien savoir, c'est s'il y a des expériences dans tout le domaine avec l'imagerie et l'ordonnance. Moi, je veux bien compléter. D'abord, dire que c'est un domaine assez nouveau. Je l'ai dit au tout début. Je l'ai dit à l'émission cet après-midi. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais très très réductionniste. Je travaillais sur la mémoire humaine, sur des mécanismes précis. Et puis ensuite, on s'est intéressé à des phénomènes plus complexes de mémoire autobiographique, et une mémoire déjà plus riche, la mémoire des liens avec le futur. Enfin, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus complexe. Les états de conscience, que j'ai un tout petit peu évoqué dans ma conférence, mais tout ça, ça restait de l'individuel. Et puis, on s'est rendu compte quand même que ça n'avait pas de sens. Même l'individuel, ça n'a pas de sens. La mémoire, elle fonctionne avec l'autre. C'est pour ça que j'ai choisi l'étude sur l'effet de référence à soi et l'effet de référence à l'autre. Et c'est ça, la mémoire, c'est notre fonctionnement, c'est des phénoménologistes qui ont bien montré ça, Paul Ricoeur plus récemment, soit se construit avec l'autre. Donc ça, c'est une première dimension. Et puis après, cet autre, il est plus ou moins large. Ça peut être un petit groupe, et ça, les psychologues qui font des choses très intéressantes sur des effets, quand tu as parlé de mémoire forte, de mémoire faible, quand on est dans un petit groupe, on est une table d'amis, on est 5, 6, 7, 8, et on parle de quelque chose, on parle d'un fait d'actualité. Et on prend la parole, quelqu'un prend la parole sur un élément de ce fait, une autre personne prend la parole, et il y a des arguments qui sont échangés. Si ces arguments sont échangés, ça va renforcer cet élément. C'est assez naturel. Par contre, si certains éléments ne sont pas évoqués, pourtant, certains éléments de l'événement qui sont importants, et personne ne prend la parole pour évoquer, eh bien, cet élément, il est dégradé. Mais ce n'est pas neutre. Le fait de ne pas parler de quelque chose sur une situation X, le fait de ne pas en parler va dégrader. Donc, vous voyez, ce mouvement mémoire forte, mémoire faible, que Denis a évoqué à grande échelle, il est vrai dans des petits groupes. Et puis ensuite, on peut augmenter la taille de l'événement jusqu'au 11 septembre, qui est un événement mondial. Le 11 septembre, ma mémoire du 11 septembre, alors c'est qu'est-ce que vous faisiez le jour du 11 septembre, etc., elle est totalement biaisée par la mémoire qui s'est construite à large échelle, via les médias, via les pays, via je ne sais qui a fait que c'est devenu un souvenir. Fabrication d'un souvenir à l'échelle mondiale. Alors, et ce que je peux en évoquer aujourd'hui, autant je suis sûr
j'ai appris différentes choses, on m'a appris un certain nombre de choses qui sont vraies, qui sont fausses, et on est aussi dans ce débat-là. Et alors la question que vous posez, elle est essentielle, mais elle est extrêmement nouvelle. Cette cohabitation des deux personnes que vous avez devant vous, en fait c'est assez nouveau. Moi je ne connaissais pas Denis Pechowski il y a 5 ans, vice-versa, je connaissais son nom, je ne connaissais pas. Et alors on n'est pas les seuls, il y a des personnes dans le monde évidemment qui se rassemblent comme ça, mais je pense que c'est très important. Je pense que c'est un phénomène très important. C'est important que les scientifiques qui travaillent dans un même domaine très pointu travaillent grâce aux nouvelles technologies. Travaillent ensemble, qu'ils soient en Australie, en Californie, en France, en Belgique, en Angleterre. Mais c'est aussi très important que des chercheurs d'horizons différents, de disciplines différentes, abordent ces phénomènes, qu'ils soient à Paris ou autre. Je pense que c'est aussi très important. Et je pense que nos décideurs scientifiques devraient nous encourager à ça. Parce que ce n'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'on plaide pour le pluridisciplinaire, le transdisciplinaire, etc. etc. Mais dans la vraie vie des chercheurs, c'est pas toujours facile d'être entre deux disciplines comme ça. Et je pense que c'est pourtant là qu'on doit faire des grandes découvertes, et surtout des découvertes qui ont du sens. Parce qu'il faut quand même que ça ait du sens. Faire des découvertes, c'est une chose, mais enfin, vraiment du sens pour, y compris une signification sociale. Donc, plus il y a de pratique, si vous pouvez sortir par là, il y a beaucoup moins d'échanges à tous, monsieur. Bonsoir, je remercie pour cette présentation. J'avais plusieurs questions, j'ai eu et mon souvenir en travail, puis aussi complètement induire des souvenirs dans une personne, de plus ou moins de raconter quelque chose qui est arrivé. La personne de finir par être convaincue que ça devait arriver et finalement remplir les détails qui manquaient. Donc vraiment, ça l'a approprié. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, mais c'est tout le domaine des faux souvenirs, des fausses mémoires, donc, qui sont des expériences qui marchent entre guillemets très bien chez les enfants. Et ça fait un peu écho à ce que je vous ai montré de cette période. Ça marche très bien chez les enfants assez tardivement, mais surtout chez l'âge que vous évoquez là, où justement où l'enfant a une amnésie de la source. C'est-à-dire qu'il est capable d'apprendre des tas de choses. Donc si vous lui dites quelque chose, il va le mémoriser très bien. Par contre, il va être beaucoup moins doué, parce que du fait de sa maturation cérébrale, on peut pratiquement montrer le lien avec la corrélation avec le développement des lobes frontaux. Et donc il va apprendre, mais sans avoir la source. Donc vous pouvez, comme ça, maintenant c'est relativement bien connu, notamment de tous les policiers qui interrogent des enfants, etc. Il y a quand même eu des grosses catastrophes il n'y a pas si longtemps, mais c'est maintenant quelque chose qui est bien connu. Et il y a eu une psychologue américaine qui s'appelle Elisabeth Loftus, je pense que vous faites référence à ses travaux, parce qu'elle a été la pionnière. On leur avait parlé d'une expérience qu'ils avaient quand ils avaient 5 ans. Je l'ai vu aussi pour des policiers d'adultes qui se font un consensus de groupe, on vous parlait juste avant, pour un témoignage qui s'avérait faux. Alors, ça renvoie un petit peu à ce que Denis évoquait aussi, les phénomènes de consolidation, reconsolidation. Et puis il y a d'autres éléments, c'est des aspects de suggestibilité. Là on est un petit peu dans la psychologie sociale et comment on peut influencer des personnes, et puis ça renvoie aussi au roman familial, c'est aussi, je pense, ça m'évoque aussi ça, le roman familial, c'est on est persuadé d'avoir des souvenirs qui sont des souvenirs qui ont été en fait créés parce qu'on a besoin aussi de construire quelque chose. Alors, il y a ça, mais vous faites peut-être allusion non pas à plus, mais à les papier qui est sorti assez récemment sur les militaires de retour d'Afghanistan et d'Irak, avec la possibilité, je ne sais pas si c'est ce à quoi vous pensiez, mais où effectivement pour essayer de les soigner de situations traumatiques majeures, il y a l'idée de faire surgir des
ça vous le saurez pas. Ce n'est pas l'objet de notre exposé, j'ai montré quelques exemples. Je pense que la neuroimagerie, on pourrait faire bien sûr toute une conférence sur le sujet, et nous a permis de faire des grandes découvertes sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de la mémoire, chez le sujet sain, dans les maladies. Après, je pense qu'il faut rester prudent. Et il faut rester prudent notamment au niveau individuel, parce que ça peut nous renseigner au niveau individuel. Puis je pense aussi qu'il faut toujours avoir une démarche éthique derrière, où il y a des paradigmes, mais bon, je fais peut-être référence à des publications, un peu le détecteur de mensonges, etc. Je pense qu'il faut, vous voyez, ce champ de recherche, je pense que quand on est au niveau individuel, il faut être un peu prudent sur ce qu'on peut faire dire à l'imagerie. Ce qu'on montre là, ce sont des études de groupe, plus ou moins importantes, ou alors des études de patients, c'est un petit peu différent, des patients qui ont vraiment un profil neuropsychologique très particulier. Alors là, un cas unique peut devenir très informatif. C'est pour ça que j'ai parlé de la chaîne, j'ai parlé d'ici, etc. Mais je pense qu'il faut rester quand même prudent sur ce qu'on peut en dire au niveau individuel. Alors, juste un petit mot sur les liens que vous avez montrés. Et voilà la question que je me pose, moi, je me la pose déjà pour moi-même, mais à propos aujourd'hui, c'est le livre, puisque vous avez l'occasion de me rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pourquoi il a fait ce témoignage seul, quand il parle de ce sujet de l'enfant caché seulement maintenant? Est-ce qu'auparavant, il n'a pas voulu, pas pu ou pas su le faire? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Parce que moi-même, je me demande pourquoi je me souviens. Alors, je ne vous donnerai pas de réponse pour Boris. Je vous donnerai une réponse que moi je tire du groupe de ces enfants cachés qui me semble évidente, c'est-à-dire que ce soit pour la société ou pour eux, enfants cachés, à partir du moment où les familles, les parents proches, éloignés, sont morts soit dans les chambres à gaz, soit dans les fosses communes sur les marges de l'Est, dans la barbarie absolue, et que eux, enfants, ont été sauvés, ils considèrent qu'ils n'ont pas le droit à la parole. Voilà, c'est mon hypothèse de travail. Et que, et malgré le drame que ça peut représenter pour eux, dans un certain nombre de cas, c'est le drame de la séparation, d'abord, avec les parents, donc en situation insécure. Ensuite, le drame de éventuellement de la perte de la disparition des parents. Il y a toute une série d'éléments, évidemment, cliniques, qu'on connaît bien sur les traumatismes de séparation dans ces situations extrêmes. Mais ils sont là. Ils sont vivants, ils s'en sont sortis. Et en plus, quelquefois, ils ont le sentiment qu'on les a mis là, les parents les ont mis là, pour les sauver, et que d'une certaine façon, ils se sont sacrifiés pour eux. Bon, je ne vais pas aller trop loin dans l'analyse psychanalyse de bas étage, mais c'est évident que là, il y a quelque chose qui rend la circulation d'informations, on va dire, la prise en charge par le collectif un peu compliqué, aussi bien de la part des enfants eux-mêmes que de la part de la société. La société, elle s'occupe des victimes ou des héros. Ils n'ont pas statut de victime pendant des décennies. J'entends bien dans les représentations, il ne faut pas me faire dire. Je vous parle là de représentations.
Écoutez, c'est une très bonne question. Je vais vous donner un seul exemple. Ce que j'appelle le régime de mémorialité avec une figure dominante du héros résistant, celle-là a été construite par l'État, par les partis, par même par la société civile dans sa globalité, et donc on a une combinatoire avec un État qui est un État très, très fort dans la construction de cette image-là. Le régime de mémorialité qui est centré autour de la victime et de la victime juive, donc à partir de la fin des années 70, années 80 surtout, est né de la société civile, mais pas de l'État. L'État est venu après. Donc c'est symbolisé par Clarspelt, qui est à la fois militant, historien, avocat, et qui va porter ce combat, mais pas simplement, ça va se développer dans la société civile, ça va partir aussi des historiens, et c'est simplement après que l'État va relayer. Alors ça sera d'abord la présence de Mitterrand dans des conditions compliquées, pour la première fois un président de la République à la cérémonie du Veldiv en 92, la journée qui va décider en 93, le 17 juillet 42, en référence, donc journée nationale, bien sûr le discours de Chirac en 93. Donc vous voyez, c'est d'une certaine façon une réponse à votre question, et à chaque fois ça bouge avec des acteurs. Il y a une multiplicité d'acteurs, je n'aurais pu en parler, mais il y a une multiplicité d'acteurs et une multiplicité de vecteurs. La radio, les réseaux sociaux, le cinéma, les œuvres littéraires. Parce que, vous savez, dans ces années 50, là où on ne parlait pas du tout des juifs, sauf qu'il y a eu trois prix Goncourt entre 1950 et 1962 qui portent sur la déportation des juifs et des juifs dans les camps de centre mis à mort. Difficile de dire qu'il y a une occultation, une disparition complète pendant un repas. Trois prix Goncourt. Pas n'importe lesquels, Schwarzbach, Robert Merle. Oui, alors justement, ce que j'aurais envie de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas quand même plus difficile pour les mémoires faibles de devenir mémoire forte? Parce que la différence avec avant, où peut-être les mémoires faibles pourraient surgir par les biais, aujourd'hui quand même il y a, il y a un conditionnement des foules, il y a ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Bref, le contrôle des foules par nos élites est de plus en plus fin et puissant. Vous qui avez éliminé le 11 septembre, prenez par exemple le Riot Mindley, et je vais remettre en cause la version officielle de ces attentats. Les conditions ne sont pas les mêmes. Il y a plus de puissance d'investissement des élites et des gens qui perdent. C'est plus difficile de lutter contre, même si Internet y aide beaucoup pour l'instant, je sais. Alors c'est vrai qu'il y a des thèses conspirationnistes qui sont développées autour du 11 septembre, autour d'autres événements comme la solution finale, mais aussi dit que les pas chambre à gaz. On peut dire aussi qu'il y a eu des fêtes de fromage blanc, si vous voulez, ce n'est pas un problème. Donc effectivement, on n'est pas obligé à chaque fois de mettre la même valeur à toutes les grilles d'interprétation. Je ne vous suivrai pas sur un deuxième point qui est, mais là, plus en fait, plus essentiel, qui est en disant que c'est plus compliqué aujourd'hui pour les mémoires faibles, mais je pense que ça se diversifie. Ça c'est, par exemple, un mécanisme qui m'a bien intéressé, l'affirmation, par exemple, de la mémoire de l'esclavage, qui est devenue quelque chose de très important, hein, la mémoire collective en France. La loi Taubira a choisi, en quelque sorte, de suivre le protocole loi Guesso. C'est-à-dire que la mémoire de référence, c'était la Shoah. Donc on prend la mémoire de la Shoah comme référence pour pouvoir rentrer et se faire accepter. C'est une sorte de clé d'entrée à un moment donné, vous ne savez plus maintenant,
dans la mémoire collective, ou bien des phénomènes de billard mémoriel. Pensez aux Arméniens. La mémoire arménienne, bon, ça fait 100 ans, là, je suis arménien, pour évoquer en France, je suis arménien, qui était vraiment très peu d'écho dans la mémoire collective, il y a eu un phénomène qui, moi, m'a très, vraiment beaucoup intéressé. En 1984, 40 ans après, la fiche rouge, donc l'exécution de ce groupe des FDP, Moïla, l'agent parisienne, de ce résistant étranger communiste, sous la direction de Missak Manouchian, responsable militaire. Et là, vous avez une captation de cette commémoration du mont Valérien, où il y avait François Mitterrand, par les Arméniens, alors que concentrait une petite partie de ces groupes du FDP, Moïla, l'agent parisienne. Et ce qu'il y avait derrière, c'est très intéressant, c'est qu'il y avait évidemment l'hommage aux étrangers et l'hommage aux Arméniens dans le combat, mais association aussi avec Deuxième Guerre mondiale, Shoah, et donc référence à quoi? Au génocide arménien. Et donc par un jeu de billard mémoriel, parler de Manouchian avec cette force en 1984, c'était une façon aussi de parler du génocide arménien de 1915. Et donc c'est ça, ce sont des mécanismes tout à fait intéressants à étudier en profondeur. Alors moi, je vais vous demander juste ceux qui posent pour revenir très chaleureusement Francis Lepage, parce que vous n'avez pas tous les chaleureusement. L'impression de vous souvenir quelque chose quand vous aviez 3, 4 ans, 5 ans, alors qu'en fait, c'est le récit qu'on vous a fait rapidement après, qui devient, et c'est pour ça que cette histoire de consolidation et de reconsolidation me captive, parce qu'on voit bien comment se construit un récit, et assez rapidement après, vous dites, eh oui, je l'ai vécu, et jamais vous imaginez, et même vous en avez une représentation imaginaire. Pour ça que ça me semble très intéressant comme piste. Je dis souvent que, alors là c'est beaucoup plus vieux, mais moi j'ai beaucoup de retard à cause de ça, mais je dis souvent que j'ai choisi d'être historien en quatrième, ou bien alors assez rapidement après la quatrième, j'ai dit que c'était en quatrième que j'avais envie de devenir historien. C'est pour donner émotionnellement d'un point de vue collectif,
Non, quand je dis qu'on n'en fait rien, c'est parce que je parle rapidement, ça veut dire qu'on n'en fait pas un élément structurant des mémoires collectives. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans les configurations mémorielles avec des images, des figures dominantes, elle n'a pas sa place. Alors je vais vous donner un contre-exemple. Je vous ai dit, les bombardements alliés, on ne peut rien en faire, parce que c'est vrai que ça n'a pas de sens. Y compris ça peut aller très loin. Quand on bombarde le Havre le 12 septembre et que les Allemands sont sur le plateau et qu'on bombarde la ville qui est au bord de l'eau, alors là, il y a en plus une erreur stratégique majeure. Mais pensez à Hiroshima, Nagasaki. Là, vous avez deux bombes atomiques. Donc c'est un peu compliqué quand même d'évacuer un événement d'une telle importance. Nombre de morts. C'est la première fois qu'on l'utilise comme une arme et les conséquences que ça peut avoir. Alors très rapidement, c'est construite une mémoire d'Hiroshima, Nagasaki et sur place. Mais c'est une mémoire, les Américains ne sont plus là, d'ailleurs, on ne sait pas qui a lancé les bombes, on oublie qu'il y a eu un régime militaro-industriel au Japon qui était derrière l'offensive dans le Pacifique. Donc ça veut dire qu'on évacue les principaux protagonistes et la seule possibilité, donc la condition de mise en récit mémoriel pour Hiroshima et Nagasaki, c'est que ça soit le porte-parole, en quelque sorte, les porte-parole d'un message de paix. Voilà. Si vous entendez chaque année Hiroshima, Nagasaki, les commémorations, c'est la dénonciation de la guerre et le message de paix. Quelle guerre? Quelle paix? Qui a lâché la bombe? Qui était à la tête du gouvernement japonais pendant la guerre auprès des Allemands? Ça, c'est pas le problème. Vous voyez, donc il faut toujours essayer de comprendre comment ça a été possible. Quelles conditions ont été réunies pour que ça devienne un élément structurant, donc de construction d'une identité collective. D'accord, mais c'est pas définitif en fait cette situation. Jamais. D'accord, donc pour l'Exode. Pour l'Exode, peut-être dans 30 ans, vous me raconterez, quand je viendrai sur ma tombe, Méchanski, ça dit une bêtise il y a 30 ans, là tu vois, maintenant c'est pas tac. C'est devenu l'élément structurant. On trouvera peut-être une solution, de même qu'on essaie de trouver une solution pour les bombardements alliés actuellement. Voilà, et de même que j'ai donné l'exemple des enfants cachés où on a trouvé une solution. Et aussi parce que la victime, à partir du moment où la victime devient centrale, dans tous les champs, pas simplement le champ scientifique historique, dans tous les champs, la victime devient un élément central. Il y a un super bouquin écrit par Didier Fassin et Richard Reichmann, qui est sur, alors c'est chez Flammarion, je ne sais plus quel est le titre, c'est l'invention sociale du PTSD. Vous savez, le syndrome post-traumatique. C'est pas l'invention clinique, c'est pas, ah oui, avant il n'y avait pas de, ça n'existait pas. Et après, ça existe. C'est avant, ça n'existait pas comme diagnostic, et après, ça existe. Pensez aux attentats qu'il y avait eu dans rue des Rosiers. Et des victimes, des blessés, et puis des traumatisés psychologiquement. Et rien. Rien. Aujourd'hui, le moindre accident de la route, vous avez une cellule psychologique derrière. Et on parle de PTSD parce que. Donc vous avez une invention sociale du PTSD. Dans les années 70, on pourra vous en parler, mais c'est peu importe, dans un contexte, à la fois mouvement féministe, deuxième guerre de Vietnam, peu importe. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est passionnant. Parce que ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant. Ça veut dire que c'est reconnu à partir d'un certain moment. Et ça, cette histoire sociale des maladies est tout aussi intéressante que l'histoire des maladies elles-mêmes.
Et ça rejoint un questionnement, je finis dans une heure, peut-être pas. Ça rejoint un questionnement qui est un questionnement majeur pour l'historien, c'est la question des représentations de l'événement. C'est ça que ce sera pour une prochaine conférence, j'espère. Mais c'est-à-dire que la représentation de l'événement peut devenir, prendre statut d'événement et avoir une influence sur, par exemple, un processus décisionnel. C'est-à-dire que dans une décision politique, ce n'est pas l'événement qui importe, c'est la façon dont le décideur l'interprète. L'historien, après, pourra dire « mais non, ce n'était pas du tout ça ». Mais si le décideur politique dit « lui est convaincu d'une autre interprétation », ben, il va être guidé, non pas parce que l'historien va dire 20 ans plus tard, ou même sur le moment, il va être guidé par sa propre représentation. Comment, vous voyez, une représentation de l'événement prend statut d'événement, et c'est décisif pour comprendre les évolutions de l'opinion publique, qui évidemment, par définition, est guidée par des représentations de l'événement. Oui, pardon. Vous venez de nous donner, autour du XXe siècle, des mécanismes plus clairs d'appropriation et de reconstruction de registres mémoriels. Je vais essayer de reprendre le terme que vous avez utilisé. Est-ce que dans le passé, les mêmes mécanismes ont été mis en œuvre dans les sociétés, au moment de la Grande Peste, au moment de la croisade des Alpichois, de la Révolution française, pour prendre différentes périodes, est-ce que les mêmes mécanismes avait la possibilité, avec moins de communication, à être mise en œuvre, ou est-ce qu'on n'a pas d'éléments suffisamment précis pour une historique ? Eh bien oui. Oui. J'ai un collègue qui s'appelle Christophe Godard, qui était aux États-Unis avec moi au moment où j'ai lancé cette opération d'amour avec les Américains, et qui est un antiquisant, spécialiste de l'antiquité tardive, et qui a fait un colloque sur la question de la mémoire dans l'antiquité tardive. Et comment on interprétait le passé pour agir dans le présent. Et comment ça se soudait un groupe. Donc les mêmes mécanismes apparaissaient, avec évidemment d'autres vecteurs, d'autres relais, d'autres circuits d'information. Mais je trouve cette piste absolument captivante. Mon rêve, c'est d'organiser, peut-être lancer ça à un moment donné, mais justement de, non pas le même événement dans des pays différents, même si ça sera très intéressant, ça serait très intéressant, mais depuis la haute antiquité jusqu'à aujourd'hui, comment on s'est posé cette question de la mémoire, et pas simplement la question de l'histoire. Ça m'intéresse. Vous voyez déjà sur des périodes, la même période, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, la mémoire de la Shoah, c'est différent sur les pays. On a dit le tournant en France, certains ont dit, tout le monde peut se tromper, hein, mais que c'était Eichmann, le procès Eichmann. Bien sûr qu'il a été entendu en France, qu'il est relayé par la télé, tout ce qu'on veut, mais c'est pas le tournant. Le tournant, c'est après 67. Mais 6 jours, je crois dessus, 61 n'a pas été un tournant dans la mémoire française de la Shoah ou de l'Holocauste. En revanche, en Israël, c'est un tournant majeur. Parce qu'on oublie que on pense toujours, ah oui, c'est autour de la Shoah que se construit Israël. Pas du tout. C'est autour de la figure du héros. Ce qui fait d'ailleurs que les survivants de la Shoah, de la diaspora qui viennent d'abord avant la création de l'État d'Israël, puis ensuite pour construire l'État d'Israël, ben, l'accueil est compliqué. Le premier musée qu'on crée, c'est pas qu'on ouvre, c'est pas Yad Vashem tel qu'on connaît aujourd'hui. Le premier s'appelle le musée des combattants du ghetto. C'est le premier musée qu'on ouvre, 47. Pour vous dire que ça serait passionnant de croiser les chronologies parce qu'on n'aura pas les mêmes. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une sorte
de mondialisation qui change la donne. Le film Holocaust, par exemple, qui vient des États-Unis, qui va changer la donne aux États-Unis, bien sûr, en Allemagne, en France, il y a quelque chose qui se fait. Mais on a des décalages chronologiques sur un même événement. Alors effectivement, imaginez sur des périodes complètement différentes et anciennes, où les circuits d'information n'étaient pas les mêmes. Alors je crois que c'est pour toutes mes questions, monsieur, je suis très contente de pouvoir vous donner le micro. C'est sympa quand même, hein. Voilà, j'ai fait votre question super bien. Ah, je prenais un exemple où une mémoire est devenue une mémoire forte sans passer par l'État. D'accord, mais c'est en fait c'est ça, c'est de manière générale, parce que c'est quelque chose qui arrive de manière assez organique, c'est-à-dire des petits groupes qui finissent par décider que ben, c'est le mort du héros qui sera devenu en France, ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui a tendance à être généré en haut, on va dire par l'élite, monsieur, sans tout de suite rentrer dans la conspiration machiavélienne, oui, je pense qu'il faut se méfier effectivement du Deus Ex Machina avec, quand je vous disais par exemple que les enfants cachés vont passer par la résistance de sauvetage pour pouvoir parler d'eux-mêmes, c'est évidemment pas une réunion où ils se disent tiens, comment on va pouvoir rentrer dans la mémoire collective et parler de nous-mêmes. C'est quelque chose qui se fait dans des circonstances particulières. Pourquoi ça a marché dans les années 70-80 et que ça ne marchait pas avant, bon, pourquoi Klarsfeld n'était pas entendu avant et a été entendu après, pourquoi lui-même a changé, pourquoi il a bougé, pourquoi l'État à un moment donné, ça on a des clés, hein, pourquoi l'État n'avait pas relayé cette histoire et l'a relayé après, il a porté même l'effet générationnel et De Gaulle-Mitterrand était du même côté sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'il considérait que la République était la première victime du régime de Vichy. Donc il n'avait pas à s'excuser de cette histoire. Il n'y avait pas continuité de l'État, puisque De Gaulle a toujours construit sa légitimité sur son geste de 40 et sur l'idée que la légitimité et la légalité étaient à Londres, elle n'était pas à Vichy. Donc il ne va pas prendre en charge l'histoire de Vichy. Ça a été une règle d'or. Et la rupture est une rupture générationnelle. Il y a eu Chirac, il y a eu Jospin, il y a eu Hollande. Ils sont sur la même ligne. Parce qu'on a une rupture générationnelle. Et qu'ils ne se posent plus les questions dans les mêmes termes. Donc, c'est compliqué toujours. C'est multifactoriel. Voilà. C'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. C'est facile de dire ça, vous me direz, parce que. Non, mais il ne faut surtout pas être réductionniste. Il ne faut pas dire, tiens, parce qu'ils ont décidé à un moment donné, soit l'État, soit un avocat, soit une association, soit un parti politique a décidé que ça serait comme ça, alors tout d'un coup, c'est pris en charge. Non, il y a un jeu de force extrêmement complexe et qui en plus, je l'ai dit rapidement, est à la fois le résultat d'une situation nationale et de phénomènes de mondialisation qui sont accélérés depuis 30 ans. Donc, voilà, c'est une façon de vous répondre sans vous répondre tout en vous répondant.